D'après 15 ans à Paris, un peu ras-le-bol, on est tombé amoureux de la région. Et moi, je cherchais un atelier pour le coup. Et on est venu aux portes ouvertes en fait. Ça, je sais pas si je t'avais dit. Et on a trouvé l'endroit complètement dingue. On s'est dit waouh. Et puis tu débarques comme ça dans mon bureau, tu cherches un atelier. Et puis tu correspondais à ce que j'avais envie que tu apportes dans les ateliers. En tout cas, on se connaissait pas, tu connaissais pas mon boulot. Non. Mais voilà, on a eu un bon contact. Ouais. Et ça, c'est pas forcément le boulot qui m'intéresse, c'est plus la relation entre toi et moi et entre tous les gens qui sont dans les ateliers avant leur travail. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les lieux existent, et des lieux existent comme ça, pas privés, mais des lieux existent comme ça, surtout pour accueillir le spectacle vivant, mais jamais pour accueillir des plasticiens ou des sculpteurs. Ça fait aussi l'originalité du lieu. Mais c'est vrai qu'un lieu comme ça, c'est pour nous, et j'espère aussi pour toi, une vraie chance. Ouais. Un lieu comme ça, ça n'existe pas. Mais un artiste, il a besoin de son calme pour travailler, mais il a besoin de l'émulation des autres. Et ce lieu, il apporte ce que je souhaite, il apporte ça, cette possibilité d'aller vers l'échange. Je viens d'Amboise, je traverse la Loire, enfin je passe le long de la Loire, c'est génial, j'arrive ici. Ça y est, on est dans un autre monde. Ouais. Donc ça, merci. Ouais. Ouais, ça merci, moi aussi, merci.